Eh bien oui. La cage aux folles, la cage aux folles se joue depuis 64 semaines à Bruxelles. Et d'ailleurs, il y a quelques mois, vous deviez venir, Michel, dans cette émission. Nous devions parler de ce film, mais vous n'avez pas pu venir à ce moment-là. Non, j'étais souffrant. Oui. J'étais fatigué. Oui, vous étiez fatigué, ouais, mais fatigué. Qu'est-ce qui vous inquiétait Vous savez, C'est la vie qu'on mène. Une fatigue générale. Fatigue générale, des ennuis. Certes, tout le monde est fatigué, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Et je me sentais pas bien, une espèce de lassitude, de fatigue. Et un jour, je me réveille et je me regarde dans ma glace. À cette époque-là, mais c'est possible. Oui. Les gens n'ont pas de cœur, vous savez. Je me regarde dans ma glace et je ne me suis pas reconnu. Vous aviez changé de glace, peut-être, non? Ce que j'avais surtout, c'est que je perdais du poids. Vous aviez maigri? Hein? Vous aviez maigri. Non, je vous dis, vous aviez maigri, c'est ça? Non, c'est pas que je... Oui, puisque je vous dis que je perdais du poids. Voilà. Donc j'ai perdu du poids. Et j'ai perdu, je pensais donc que je maigrissais. Mais beaucoup. J'ai arrivé à perdre 18 kilos par an. Mais pas toujours les mêmes quand même. Vous les rattrapiez à la fin de la mer, non? Vous dites des bêtises ou quoi? Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous 18 kilos par an, mais bien sûr que j'étais toujours les mêmes. Oui, c'est ça. Je vais pas perdre 18... Vous pensez, pendant 12 ans, 18 kilos par an, j'en serais à moins 134. Mais à cette époque-là, vous vous inquiétiez, je comprends. Je me sentais pas bien parce que je maigrissais. Et vous avez vu un médecin? Évidemment, je ne peux pas me soigner tout seul. Quand on ça va pas, il y a un moment où il faut prendre des décisions, puis être courageux. J'ai été voir le médecin. Qui ça? Le médecin, j'ai été... Non, mais qui? Un bon médecin? Carlin, j'ai été voir Carlin. Ah oui, Jean-Louis Carlin. Je le connais, il m'a soigné. Ah ben oui, il m'a soigné pour une perte de cheveux il y a quelques années. Jean-Louis Carlin. Si j'avais su ça. C'est un spécialiste de médecine générale. Comment? Je veux dire, c'est un type qui fait de la médecine générale. C'est un médecin. Qui fait de la médecine générale. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse des frites? Oh, écoutez, vous êtes odieux, vraiment. Ils vont pas des frites, vous dites n'importe quoi. Mais c'est vous qui venez de me dire parce ça. Que, je vais vous dire pourquoi vous dites n'importe quoi, parce que vous n'écoutez pas trop. Je vous dis que j'ai été malade, j'étais voir le médecin. Oui. J'étais voir le docteur Carlin qui faisait de la médecine générale. Oui. Bon, il fait plus de médecine générale parce que cet homme-là, maintenant, s'est spécialisé. Ah, bon. Il fait plus que le doigt. Il s'est spécialisé dans le doigt? Il est spécialiste du doigt. Ah bon, il est docteur en doigt, alors, quelque chose comme ça. Si vous voulez, c'est un peu ça. Docteur en doigt, et quand je dis le doigt, il fait uniquement le petit doigt. L'auriculaire? Il fait que l'auriculaire. Il est spécialiste de l'auriculaire? De l'auriculaire, de la main droite. Ah, dites donc. Et encore, quand ça l'intéresse, quand le malade l'intéresse. Parce que si le malade n'intéresse pas, vous pouvez venir avec votre auriculaire. Et alors, qu'est-ce qu'il vous en a dit de votre auriculaire? Il a commencé, déshabillez-vous. Je dis, j'ai enlevé mon gant tout de suite. Et vous savez ce que c'est, j'ai enlevé mon gant, on perd toute pudeur devant ces gens-là. Oui, oui. Alors, cela dit, vous savez, c'est un homme qui doit voir des doigts nus défiler toute la journée dans son cabinet. Et puis un docteur, c'est un peu comme un confesseur. Oui, oui, bien donc, sûr. Donc, j'ai enlevé mon gant et je lui ai montré mon doigt, je lui ai montré mon auriculaire. Il l'a vraiment bien regardé. Il l'a regardé un moment, il m'a regardé le doigt. L'auriculaire, il me l'a regardé, mais il l'a regardé avec vraiment beaucoup d'intérêt. Vous êtes resté longtemps chez lui? 4 heures. C'est un grand spécialiste, alors. Et cet homme, c'était émouvant à voir. Il m'a regardé l'auriculaire sous toutes les coutures, vraiment. Il me l'a fait marcher. Ah bon? Il m'a fait marcher l'auriculaire dans tous les sens. Il n'y a qu'en arrière qu'il n'a pas pu me le rabattre.
Mais ça, c'est normal, ça. Oui, il n'a pas pu... C'est ce qu'il m'a dit, d'ailleurs. Il m'a dit, ça, c'est normal. Ah oui. Il m'a dit, ça, faut pas vous en faire, c'est normal. En principe, l'auriculaire ne se rabat pas complètement. Il a attendu un bon moment, et puis finalement, il a pris sa décision. Je sentais qu'il m'a dit, ben, puisque c'est ça, je vais vous faire une radio du rein. Mais vous m'avez dit qu'il était spécialiste du doigt. Il est spécialiste du doigt, mais il fait des photos du rein en amateur. Ah oui, oui. Il fait radio amateur, quoi. Ça, avec un casque, il a... Et ouais. Il fait des photos, d'ailleurs, dans son cabinet, il y avait des photos magnifiques. Il y a des rates, il y a des poumons, il y a des... Ah, c'est ses photos de famille, il met ça... De sa femme, j'ai vu la rate de sa femme, j'ai vu des choses comme ça. Mais finalement, il vous a soigné, quand même. Non. Ah bon? Il m'a dit, écoutez, il faut voir, je vais vous adresser à un de mes confrères. Un de mes confrères spécialistes. Mais un spécialiste en quoi? De la deuxième phalange. Parce que lui, il n'est pas spécialiste de la... Il fait que la première, enfin. Non. Et alors... Alors, il m'a adressé au professeur, il m'a adressé à un de ses collègues, un de ses confrères, le professeur Léginski. Le professeur Léginski? Léginski, qui est interne des hôpitaux. Des hôpitaux de Paris? De Varsovie. De Varsovie? Varsovie. Donc, j'ai eu la lettre là, qui m'avait... écrite et qu'il a adressé au professeur Léginski pour lui expliquer ce qui se passait. Et Podionietz, Paris, le 12 novembre 79, donc la date. Et qui Makniak News. Makniak, je le vois, je brouve ce qu'il dit, je vois, je demande, je fais chouer ce qu'il dit. Es brouque, et qu'il voit, et vous devez être fort au mind de Youch. Je vous saute les passages sans intérêt, peut-être vous. Oui, si vous pouvez résumer, ça... Ignès, pauvre monnier, monnier, je vous n'en s'gui. Ig monnier, zan, zan, zan. Ig ega, zan, man, guillo. O, zan, ya, je bosse, gant. O, ya, dis, kak, chou. Il lui a... Je sais pas pourquoi, il lui a... Oui, il a écrit, là. C'est une chanson polonaise. Au milieu... Et il y a plusieurs couplets. C'est une vieille chanson populaire, oui. Et qui lui dit, c'est beau, et finalement, il lui dit, ta pote, qu'est-ce que j'ai eu, yes, mon onier. Et ce que j'ai eu, et rage, ta pogna, c'est, ou ta pogna, c'est ta pogna ou c'est ta pogna, ce qu'il y a. Ou ta... J'arrive pas à déchiffrer. Ça. Le docteur Carlin a une écriture épouvantable. Épouvantable, on ne comprend pas ce qu'il écrit. C'est enfin, vraiment... Finalement, il vous a bien accueilli. Quand il m'a très bien accueilli. Il m'a pas soigné, si vous voulez, tout de suite. Il m'a bien accueilli, mais j'ai pris rendez-vous. Il m'a donné un rendez-vous. Ah bon, vous allez y retourner? Il faut que j'y retourne, oui, oui, oui. Quand ça? En juin 85. Quoi? Dans 5 ans? Dans 5 ans. Ben, c'est un spécialiste. Ils sont très pris, ces gens-là.